gestion du risque de désastre, c'est une fonction qui regarde un pile l'autre secteur. Et nous-mêmes, nous allons au-delà de frontières. Au-delà de frontières, particulièrement sous affaire aide, sous développement capable, et même appui pour développement que diaspora capable, et même pour réponse aux urgences. Donc, c'est ça que fait. C'est nous obligés qu'on y a là. Après cyclone George, yo vin di on seule direction qui fixe, qui en dans un ministère, li pa kap joué rôle ça pour compte li. Il faut que yo place l dans un contexte système qui pour permettre que chaque institution mette contribution pa yo vers un objectif commun qui soulage souffrance population en cas de catastrophe naturelle. Donc m'a répondre, donc c'est soulager souffrance population. Et soulager souffrance population, nous capable dire que li gagne ni en amont, ce qui veut dire que pour soulager souffrance population, faut qu'on planification qui fait pour ça. Ça pas c'est pas ça c'est pas chita attendre que catastrophe vini voyez aide et puis ou dit qu'on soulager souffrance population, faut anticiper. Anticiper, ça veut dire faut gérer risque là, faut ou travailler pour ou minimiser risque de désastre le plus possible et la venir quand même parce que risque là le pas jamais arriver niveau zéro. Donc le ça si gon catastrophe si gain qui arriver, donc le ça n'a réduit perte en vie humaine yo, ni perte matérielle lo, le plus que possible. La présentation que nous avons faite, elle est entrée dans le même cadre. Depuis 2 ans, nous connaissons le ministère très intéressé pour mettre 4 identifications nationales là à disposition de la diaspora. Donc, dans le cadre de la session, nous réservons un espace spécial pour nous capables de discuter avec la diaspora sur la question 4 là. Non seulement 4 ça, c'est lui-même qui sont portes d'entrée pour la diaspora. Ça veut dire que la diaspora peut arriver demain matin pour être capable d'arriver à voter, c'est 4 là pour permettre de voter. Or, 4 là, MAV, ça est capable de faire la nan, c'est faciliter pour faciliter la diaspora à jouer 4 là, parce que ce n'est pas lui qui a fait. Ce n'est pas lui qui a une responsabilité de faire 4, c'est l'Office national d'identification qui a pour le faire. C'est pour ça, ça en partenariat avec l'Office national d'identification. Le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est lui-même qui peut ben nous opportunité, espace pour nous capables, à travers consulat et ambassade, pour que nous accompagnions l'Office national d'identification pour être capable de boycotter ça. Donc c'est pour raison ça, avec diaspora, nous préférons discuter ensemble pour nous voir comment pour nous rendre question ça et un bagage effectif. Parce que ça n'a pas un rêve là-dedans. Donc, c'est des luttes que nous menons avec la diaspora déjà. Il faut nous continuer à mener. Et une nouvelle lutte que nous menons, c'est 4 ça pour nous gagner à disposition pour que le moment opportun, nous capable de voter tant que tout haïtien. Nous connaissons pile le monde de la diaspora qui a 4 identifications déjà. Mais nous avons la tête que c'est demain matin. Nous pas dit c'est immédiatement. Le gouvernement a mis moyen pour que nous soyons capables de faire. Et pour ces raisons, ça fait, le ministre a toujours insister pour faire 4 ça. Et son bagage qui est important, nous répéter encore, pas capable de voter sous le 4. Mais pour l'autre structure, nous pourrons voir avec ONI et tant d'autres monde qui ont entré en ligne de compte, comment nous pourrons le faire. Donc c'est ça l'objectif. D'accord. Mais qu'est-ce que tu as mis en place pour être capable d'arriver, jeune diaspora? Est-ce que c'est en Haïti que vous avez obligé de rentrer ou d'une autre? Est-ce que c'est de côté que vous êtes capable de faire 4 ça? Non, c'est irresponsable pour nous dire c'est en Haïti pour venir. C'est côté réel, il faut que nous ayons des services de proximité à travers les consulats et les ambassades. Et côté que par rien, MAV a baillé tête li moyen pour que l'alpoté 4 s'abale. Nous étions supposés commencer déjà. C'est deux côtés que nous avons envie de commencer. C'était Saint-Domingue avec les ULTUC. Saint-Domingue, songez bien, là, nous faisons lancer l'idée 4 nationale. La République dominicaine dit des bons pays, bail ressortissants. Il y a un cas d'identification et il y a balle résidence. Saint-Domingue te dit ça.
Donc, les îles turques, nous avons un bon petit monde, un bon monde qui a un problème. Il faut que 4 là, nous te promettions. Et il faut que nous signalions, c'est sous intervention MAV que y a ouvert consulat dans l'île turque là. C'est après un rapport que nous avons fait. Nous avons une délégation, une mission interministérielle qui a été faite. Le président de la République a dit, monsieur, nous avons un rapport à dégager nous pour affaires étrangères ouvert bureau. Ouvert consulat. Et ça, il faut nous remercier parce que le travail, ça, il est en délit et le consulat est ouvert. Et je me rassure, les gens dans l'île turque sont très reconnaissants de bureau ça. Or, il y a tant que nous baillons suite à ça que tu fais là. Il y a une première étape, il y a tant de deuxième étape là, qui c'est quatre là.